Eh bien, bonjour à tous, c'est Raik et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre Let's Play sur Megaman X4. Dans l'épisode précédent, nous avions galéré pour venir à bout de la Web Spider, donc le boss de la jungle. Entre-temps, je suis allé récupérer l'extension de vie que j'avais loupée donc dans le niveau de la base marine. Donc du coup, bah, nous avons quand même tué la moitié des officiers de la Repliforce dans les différents mondes. Il nous reste donc ces 4-là à faire. Alors, lesquels allons-nous faire du coup? Dommage qu'il n'y ait pas un système de... aléatoire. Allez, hop. Vous savez quoi, on va le faire. On va le faire au hasard. Hop, 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 hop. Ok, alors ce sera le Biolaboratory. Oui, alors ça se voit pas, mais j'ai fermé les yeux. Ce sera le Biolaboratory. Bon, bah, vendu, hein. C'est parti. C'est marrant, c'est un petit, c'est un champignon le boss. Un petit champignon. Champignon. Hop. Ah oui, d'accord, ok, je m'en rappelle. Oh. C'est, franchement, c'est quand même cool parce que les niveaux sont tous très différents et très sympas. Oh, ça arrive de ce côté-là maintenant. Oh. Wow, wow, wow. C'est cool ça, j'aime bien cette... Ah d'accord. Ok, un transporteur. Ah d'accord, ok. Donc là on arrive dans un niveau qui ressemble un peu plus à ce qu'on connaît. Ah mais d'ailleurs on n'a même pas vu là... La... Alors attendez, parce que quand je te vois arriver. Alors, voilà ce qu'on a hérité de la Web Spider, donc cette espèce de sabre électrique. Hop. Non mais vous êtes mignon, comment je fais pour... Ok, bon, ça va, ça va. Wow. Quoique... Ah d'accord, ok, donc le truc il revient à l'infini. Ok, ok, ok. Il me tire dessus en plus. Ok, donc si j'ai bien compris, il faut se bouger. Ah, il y a des épines sur les murs. Wow. Quand même, les niveaux sont vraiment cool, sont très variés. Franchement, je reconnais que je ne boude vraiment pas mon plaisir à retourner sur ce jeu. C'est vraiment sympa. Alors oui, effectivement, j'y ai pas pensé au combat précédent, mais c'est vrai que j'ai mon espèce de petite recharge là de vie qui peut toujours me servir. Ok, quelque chose me dit qu'il faut. Il faut passer entre les trucs. Oh, allez, allez, allez! Ouh, c'est pas passé loin. Mais ouais, je prends vraiment beaucoup de plaisir à revenir sur ce jeu. C'est vraiment hyper sympa. Hop. Les niveaux sont vraiment cool. Le style graphique pour l'époque est quand même bien sympa. On sent vraiment que c'est une transition Super NES PlayStation. C'est hyper agréable. Alors, mini-boss. Qu'est-ce que... Ah oui. Ok, bon, ça va. Ah, attendez, j'ai une petite idée. Ah, ouais, là, notre attaque électrique, elle est sympa, là. C'est vrai que c'est un univers un peu technologique. Quelque chose me dit que l'électricité, ils doivent pas trop kiffer dans le coin. Yes. Ah, bien, ça.
Bon, je pense qu'avec l'attaque de feu, je m'en serais sorti aussi. Mais ouais, il doit pas être simple à faire en premier celui-là aussi. Ok. Oh. Oh, il y en a deux. Allez, lâchez-moi, vous. Toi, t'es mort, toi. Oh, 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 oh. Wow. Mais je peux pas l'avoir, lui. Oh là 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 là. Eh, je me fais déglinguer. Il va me falloir de la vie. Il va me falloir de la vie. Wow. Ouais, ça va plus vite comme ça. Ok, il va nous falloir de la vie, là. Oh. Champion. Alors, bon, si j'ai bien compris. Ah non, je veux cette extension de vie. Même s'il faut recommencer le niveau, en plus c'est cool puisque c'est au tout début du niveau. Oh oui! Yes! Voilà. Oh là là. Ah, par contre, il va falloir se bouger. Quelque chose me dit qu'après, c'est beaucoup plus difficile à passer. Waouh! Ouf. Ok, c'était un peu l'instant panique, je sais pas trop quoi faire. Ah, ça c'est un grand classique, ça, des jeux d'aventure, les ascenseurs comme ça. Petite plateforme qui monte avec les ennemis qui arrivent. Ok, bon là ils ont pas l'air de revenir. Wow, par contre je me fais tirer dessus. Bon, par contre là, j'ai plus de vie du coup. Wow. Oh non! Oh, je le crois pas. Oh, je le crois pas. Bon. J'allais dire, j'ai plus de vie, donc il va falloir battre le boss d'un coup. Mais bon, bah, évidemment. C'est, ils ont pas l'air comme ça, mais ils sont chiants, ces petits trucs. Hein. Ils tirent vite. Oh, alors là. Wow. Ok, bon, d'accord, ok. Donc la tactique de on fonce dans le tas, ça marche absolument pas. Au secours. De la vie, de la vie, de la vie. Non, mais attendez, vous êtes sérieux, là? Je vais mourir là-dessus? Ok. J'aurais besoin de vie. Je peux pas avoir un truc d'urgence, là? Et vous allez voir que là, je vais complètement me foirer. Je vais perdre toutes mes vies. Wow. Ok, bon bah, il n'y a plus qu'à espérer qu'on le passe. Ce jeu est stressant. Ce jeu me stresse. C'est dingue. De la vie, j'ai besoin de vie. Donnez-moi de la vie. Il est où le truc d'urgence là qui apparaît? Waouh. Le jeu qui s'y met en plus qui bug. Oh, bah voilà. Je me rends dingue. Au secours. Ah, c'est sûr que c'est autre chose que les saletés qu'on fait aujourd'hui, qui sont hyper assistées, on meurt jamais. Ah, c'est sûr que là, il y a un peu plus de défis. Hein. Wow. Bon alors là, faisons pas l'idiot. Allez là, je vois mal comment je pouvais... Je vais me faire tuer là. Ça va. Ok, ça a l'air bon. Ah, de la vie, on est content. Oh, ok, c'est le boss. Il a l'air trop fun. Alors, tu es allé aussi loin, je suis impressionné.
Alors, you are interested in a real challenge. Es-tu intéressé par un vrai challenge? Who's your commanding? Alors, qui est ton officier commandant? Peu importe, c'est le moment. Peu importe, c'est le temps de se battre. Time to fight. Ok. Ah, ça les tue, ça. Ouh, animation différente. Ah, ça c'est cool, ça. Ok, alors je n'ai pas du tout envie. Yes. Hop. Oh, bon, ça va, il va. Oh, bon, ça va là, il va pas être trop compliqué à battre lui, je pense. Hein. Ouais, faut vraiment le temps. Oh, bon, ça va, et franchement. Bon. Après, attendons de voir sa phase 2. Bon, après, hein, je l'ai pas encore laissé attaquer, mais là. Ouais, non, non, il faut vraiment une attaque à phase 2. Il faut vraiment une attaque électrique hein, pour le battre, lui. Hein. Par contre, lui, je pense qu'en premier. Wow, attends. Attends. Wow, wow, wow. Chien! Ok, ça va. Non, c'est lequel? Oh, 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 oh. Tu me saoules. Voilà. Ça m'énerve. Je perds le compte à chaque fois. Faut pas que je le loupe. Ok. Oh bah ça va. Ok. Bon. Voilà. Ouf. Bon, ça va. Il était pas trop difficile. Il n'était pas trop difficile. It's okay. Ça va. Ça va, ça va. C'était pas trop. Je pense que là, j'ai le temps de me faire un deuxième monde. Kuenbu. Ok. With the correct timing. As, c'est quoi? C'est un double coup? D'accord, c'est une attaque aérienne. Mais j'ai l'impression que c'est également un double saut. Bon. Ok, bah écoutez, c'est parti. Hein. Ouais, sauvegardons et. Ah ouais, ça a l'air ça, une espèce de petit ventilateur là. Bon bah je pense qu'on a le temps de s'en faire un deuxième en speed. Hop. Tiens, le cyberespace. Ça m'intéresse bien ça. Le cyberespace. Les designs des boss aussi ils sont vraiment sympas. Wow. On se croit dans le monde de Tron là. Ah c'est ça. Ah trop bien, on a un double saut. Ah et notre attaque aérienne également a changé. Ok. Oh c'est quoi ça? Hurry up. Ok, quelque chose me dit que. Bon bah voilà. Ok, donc quelque chose me dit qu'il faut pas se faire toucher à ça. Ça, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas ce hurry up. Pourquoi hurry up? Pourquoi je dois me dépêcher? Ok, Ok. Alors, quelque chose. Je n'aime pas cet œil derrière. Quelque chose me dit que si je ne me dépêche pas, je vais prendre extrêmement cher. Je pense qu'il va y avoir une espèce de canon laser qui va m'arriver sur la tronche. Je le vois venir gros comme une maison. Donc là, je pense que il faut pas perdre de temps. Voilà, voilà. Je sais pas c'est quoi cette histoire de rank là. Lui, je le sens pas. Hein. Oh là 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 là. Essayons d'éviter.
Ah tiens, on peut les tuer ça. Ah, c'est pratique ça. Wow. Faut que je me dépêche. Il est pas derrière là. Wow. Oh, hurry up, hurry up. Je n'aime pas ça. Ok. D'accord, donc j'ai l'impression que là c'est... D'accord, donc là c'est vraiment l'attaque aérienne. Hurry up, je sais. Ok, d'accord. Mais... Ah non, mais je suis bête maintenant, j'ai le double saut. Oh, je sens que je vais aller kiffer ce double saut. Hop, ça pour s'en débarrasser. Oh, une vie. Attends. Ah. J'aurais parié qu'il y avait quelque chose. Oh, ça c'est cool ça. Bon, j'espère que j'ai un oublié. Ok. Rank A. Déjà? Wow. Pas de mini-boss, rien. Oh là 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 là. C'est... Je comprends pas tout ce qui se passe. Wow. Wow. J'ai l'impression que ça inverse en haut et en bas. Wow. Je comprends pas tout là. Ok, quelque chose me dit qu'il faut pas passer par là. Non. Là ça me ramène de là d'où je viens. Ok, ça va, je me fais pas toucher. Ouf. Ah bon, alors là au moins je me fais pas. Ça va, là je suis pas ciblé. Qu'est-ce que... Je comprends rien de ce qui se passe. Je ne comprends absolument rien. Ok... Je ne comprends rien. Ok, on est déjà au boss. Il faut qu'on m'explique là. Bon alors, j'ai loupé l'extension de vie. J'ai rien compris à ce niveau. C'est... D'accord, j'ai avancé sans trop me poser de questions. Je suis impressionné que tu sois allé aussi loin. D'accord, on a eu exactement la même réplique tout à l'heure. Mais tu ne peux pas me battre. Tiens-toi prêt. Get ready. Ok. Voilà. Tu te téléportes quoi. Wow. Ok, ok. Ok. Alors. Toi, Cyber, je pense que l'électricité t'aime pas trop ça. Hein. Bon, on a vu que l'arme de glace ne servait à rien. Que les attaques normales ne lui faisaient pas beaucoup de dégâts. Qui se téléporte. Je pense que lui, c'est une sorte de web spider en mode hyper chiant. Donc on va bien voir. J'espère qu'on va pas y passer 3 heures. Ok. Waouh. Ah mais y'a rien qui le... Tiens, oh oui. Oh oui, oh oui. Le feu il aime pas ça. Oh qu'il aime pas ça le feu. Oh bah alors là mon ami. Tiens, tu vas voir. On va régler ça en 2-2. Voilà. Oh la vache. Wow. Là, par contre il apparaît. Allez, on tire, il y a un certain timing hein. Wow. Bon, au moins on a trouvé sa faiblesse. Ok. Oh. Ouf. Allez, encore un coup. Yes. Voilà la tronche qu'il a. Alors lui,
sans l'arme de feu, il doit être infernal. Il doit être infernal sans l'arme de feu. Bon, au moins c'est cool, on l'a eu. Rakuhuwa. Ok. Giga attaque bouton. Underground. D'accord, donc c'est une attaque au sol. Une très forte attaque au sol. The Ultimate Special Attack. Je renvoie tout là, mais en gros ça fait très très mal. Also in danger to the blast, use this selectively. Ah d'accord, donc c'est d'accord, donc ça consomme quand même de l'énergie cette Ah bah je pense que ça doit être la fameuse arme qui est une espèce de jauge qu'on voyait. Ok. Je pense que c'est une attaque qui doit faire très très mal ça. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On aura quand même bien avancé, on aura fait bah, deux officiers. Je pense qu'on n'est pas tombé sur les plus compliqués parce qu'on avait les armes. Mais à mon avis, quand on n'a pas les armes, ces deux-là, ils doivent être super chauds. Bon, bah en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour la suite avec grand plaisir. En attendant, bah, prenez soin de vous. Allez, ciao!